Chers amis, bonjour. Comment me tu promets Ben, aujourd'hui, je peux commencer une série. Une série où l'histoire nous banne Docteur Héros. Pas aujourd'hui, nous avons une épidémie dans Maurice. Depuis bien longtemps, nous avons une épidémie. Et nous avons gagné le choléra, comme je disais la dernière fois. Nous avons gagné la peste, nous avons gagné la grippe espagnole, nous avons gagné la malaria. Nous avons gagné tout ce qui a été modèle. Si tant qui, je répète encore une fois, en 100 ans, peut-être 440 000 nos compatriotes, en 100 ans, on veut dire, capables de finir avec ben, l'épidémie qui nous finit gagner dans Maurice. Donc, nous finissons gagner aussi ben, docteur héros. Ben, docteur dont la vie nous bien connaît parce qu'on ne vit pas que de pain, on vit aussi par rapport à la fierté de notre histoire. On vit aussi par rapport à ce qui nous histoire capable d'inspirer nous. Et dans ce contexte, nous, ben, docteur héros là, comment nous pouvons gagner un peu le temps, nous, dans la case même là. Donc, moi, j'ai envie de faire un partage en jeu. L'eau, ça, ben, médecin qui fin vraiment, fin faire un grand, grand travail dans l'époque, l'épidémie. Ou gagner docteur Jacques Désiré Laval, nous connaissons beaucoup plus comme bienheureux Jacques Désiré Laval, mais il ne faut pas oublier qu'il y tient un docteur, hein. Il tient un docteur avant le vin prêtre. Ou gagner docteur Jacques Désiré Laval qui fin œuvrer pendant l'époque choléra. Ou gagner docteur Idriss Goumani, dont l'histoire me pourra conduire aujourd'hui. Et ou gagner aussi docteur Brown Secor, Charles Brown Secor. Lui, un grand docteur. Pas un grand docteur, hein. C'est un professeur au Collège de France. C'est un grand spécialiste dans neurologie. Et en 1854, il t'y donnait un grand coup de main quand il y en a l'épidémie choléra ici. Mais ce qui concerne nous aujourd'hui pour débuter sa série-là, des mêmes causes globales les autres, ce qui concerne nous aujourd'hui, c'est le docteur Idriss Goumani. Idriss Goumani, en fait, c'était un docteur héros, hein. Donc, cette histoire a commencé en mai 1859. En mai 1859, l'inné dans la case pour lui, ce maman appelle Rosélie Marguerite César et ce papa appelle Amir Goumani. Bolhomme là, tu es un marin et tu peux aller venir, mais quand Idriss naît, il finit décider, on dirait, il faisait arrêter de voyager parce que 5 enfants avant, Idriss naît 5 enfants avant Timo, Tip, il dit non, à ce moment-là, je ne peux pas arrêter de voyager, mais je pourrais s'accaser avec madame, d'un coup de main, des enfants. Effectivement, Idriss naît, après, il gagne un frère et un sœur, un frère appelé Aman, et l'autre sœur là appelle Miamani. Idriss, Aman et Miamani, j'autre révèle, j'autre ben, des enfants très intelligents. Bolhomme-là a mis l'insens travail, il y a le travail chauffeur carrosse. Ça, à l'époque-là, pas tiré à l'auto, hein. Du monde, tu peux voyager dans s'arrête, dans carrosse, et lui, il y a le travail chauffeur carrosse pour lui gagner sur la vie. Et après, il ouvre un petit business d'épices. Beaucoup, un diable peut sauter de haut, peut venir Maurice. Mais comment vous connaissez, vous-même, chacun content mange dans sa façon. Et un diable content mange bien mal d'affaires épicées. Tout le monde content un petit curry, un petit rougail, tout ce man d'épices. Abbé Bolhomme Goumani décide pour faire un petit business d'épices. Il quitte sa travail marin là. Idriss, déjà, lui présente comme un enfant intelligent. Ben, parents là, faire un effort. Avant, lui donne l'école qui appelle Collège Louis de Gonzague. Collège Louis de Gonzague, tu tout dans pour lui. Et Collège Louis de Gonzague, tu fin faire, rappelons-le, par le prêtre qui appelle Bardet. Bardet lui-même tient le lauréat, alors l'inrance en collège, qui est top terrible ça à l'époque-là, qui s'appelle Pensionnat Loiseau, plus connu sous Pensionnat Loiseau. Donc, Idriss Goumani a dans Pensionnat Loiseau, comme on dit à l'autre, il est bien, bien malin, il gagne beaucoup prix. D'ailleurs, il y a un écrivain, Maurice, qui n'écrit le lit, appelle M. Begla,
qui dans ce livre il y a une photo, un certificat qui Idriss avec ce CM Miyamani fin gagne un prix dans sa l'école pensionnaire Louis de Gonzague. Parce que ce mal l'examen, son papa veut dire royal pour lui. Dans à l'époque là, royal pour lui, tu trouves l'arrière du Cavel. Alors Idriss, avec son frère, je te morse, je t'allais à l'école. La mauvaise cause, en l'époque, 1875. En 1880, Idriss Goumani passe sur matriculation. C'est à l'époque là, tu appelles ça matric. Et il travaille un peu dans le business de son papa. Et bonhomme là, trouvait qu'il garçon là intelligent, garçon là intéressé. Il vient lui faire un effort, il prend une belle loan sur la case, met sur la case en gaz, il y a voyti Idriss à la prendre docteur en Écosse. C'est à l'époque là, patina aucun collège, Maurice, enfin, l'université, tout ce monde a fait là, patina existe. Il y a voyti ce garçon à l'apprendre docteur dans l'Écosse, 200 livres sterling par an, une belle monnaie dans l'époque là. Ça. Idriss à l'école, l'Écosse, il rentre l'université d'Edimbourg, il fait ses études, brillantes études. Après, il fait une spécialisation, un petit cours dans chirurgie dans l'université Glasgow. Termine son étude en 1886, il fait un petit détour à Paris. Pas besoin de dire où, Idriss, joli garçon. Bon manière, intelligent, un petit docteur, mais il gagne un petit 35 là-bas dans Paris. Mais pas qu'à faire l'Isaz, obligé retourne Maurice, qui fait? Parce que Bolomla prend loan, et Bolomla dans l'air qui Idriss, tu as pu étudier, Bolomla, l'inmo, ici loan qui peut arriver, maman peut bien payer. Son frère Aman peut travailler, peut payer. Idriss bizarre retourner vite, vite, couvert frais. Idriss retourne Maurice. 1886 environ, ouais. 1886, il retourne Maurice. Et là, il fait son internat à l'hôpital civil. Et après son internat, il ouvre un petit cabinet. Donc pour lui, parce qu'il est resté. Après, surintendant. Et centre quarantaine dans Pointe-au-Canonier, parce que longtemps, tu n'as pas de centre quarantaine, Maurice. Hein? Pareil, comment aujourd'hui, nous cause quarantaine là. Longtemps, comment on peut dire, tu n'as l'épidémie, souvent, 1854, choléra, 1856, choléra, smallpox, l'autre. Alors, tu n'as une centre quarantaine, dit le Bénitier, tu n'as une centre quarantaine dans l'île Plate, tu n'as une centre quarantaine, l'île Tonnelier. Ben là, de temps en temps, tu peux faire l'île Gabriel d'une centre quarantaine. Alors, on ouvre une centre quarantaine dans Pointe-au-Canonier, mais seulement qu'il y avait, c'est un docteur là-bas, tu appelles docteur Horace Bozor, lui-même l'inmo. Docteur Horace Bozor, lui-même l'inmo dans centre quarantaine. Alors, aucun docteur, pas Perrodal travaille dans centre quarantaine. Idriss Goumani, un zen docteur, hein, il y en a à peu près 28 ans. Les temps lui disent, ouais, m'a décidé, moi, mon pas travail là-bas dans le centre quarantaine Pointe-au-Canonier. Quand mon peux qu'on Pointe-au-Canonier, là, la centre quarantaine, là, tu trouves dans base que Clipmet trouvait à Zodji. Libon, nous connaît ça, mon affaire, là. Libon, Zodji, Clipmet, longtemps, tient une centre quarantaine. Alors, ben, des gens qui souffrent tout malade, tu peux venir rester là, dans sa centre quarantaine, là, comment dire. Sauf si je tiens la choléra. Si je tiens la choléra, je pas en droit, reste dans sa centre quarantaine Pointe-au-Canonier, là. Les restes tout malades, hein, qui sont smallpox, qui sont la peste, qui sont diphtérie, tout ce qu'on a fait là, je t'y peux dans Pointe-au-Canonier. Alors, Idriss Al là-bas, il gagne un travail comme acting superintendent of quarantine. 20 roupies par jour, je pourrais y moi, hein, 20 roupies par jour sur la paye, plus il gagne une ration. Alors, il reste là-bas même. Mais aujourd'hui, quand nous causons Pointe-au-Canonier, facile, nous prendre le temps aller. Mais longtemps, c'est un endroit mari dans le gars, ça. La cause, c'est même la mettre quarantaine là-bas parce que, comment dire, les autres dimons ne sont pas affectés. Idriss travaille nuit et jour dans sa centre quarantaine là. Et de courage, hein. Parce qu'aucun docteur par dans le travail. Juste Idriss Goumani qui lève sa défi là. Il dit, il prend le travail, il dit, il y a le travail. Là aussi, je ne l'ai pas nommé direct surintendant. Je nomme acting.
Enfin, non, rien. Roulez même, li travail, bougla li. En l'épidémie choléra levée, en 1888, bah là, right? En l'épidémie, pas choléra, excuse-moi, en l'épidémie smallpox levée, Idriss Soignem, dans ce 141 points au canonier, malheureusement, en juillet 1889, l'étant l'épidémie là, peut tomber, Idriss lui-même a tombé malade. Belle malheur, lui-même y a tombé malade. Dans l'étipé référé un peu, son frère, ben a fait appel son frère. L'étant, je dis à son frère comme ça, qui lui finit décédé, je pensais qu'il faisait vers les 29 juillet ou 28 juillet 1889. Eh bien, frère là, tombe sans connaissance, mon père, tellement lui sagrin. Idriss décédé, il décède comme un héros. Et ben là, enterré lui, dans la cour 141 là, à Zodi, ce tombe encore la même, dans la cour Clipmet, ce tombe encore la même pour témoigner qui qualité sa bougla tient un héros, l'in travail, l'in perdit la vie en soignant ban victime de smallpox. Ça met un grand la peine dans la famille Goumani. D'abord, parce qu'ils ont perdu un jeune garçon, 30 ans, hein, déjà, Marguerite Roselyte finit perdu 5 enfants avant. La 6e, il a perdu pour le diable, ce bolomoussine mort. Il n'y a pas une chère vivre longtemps après. C'est une mort de chagrin, comment dire. Plus là, difficulté financière, parce que moi, tu dis à autres, qui, ben là, tu finis prendre l'aune, et tu peux compte l'eau. Idriss, comment dire, peut travailler pour rembourser sa l'aune là. Parce que pas une petite la monnaie, ça, 200 livres sterling par mois là. Un bel la peine, tout ça là, pour montrer où, qui va dire, l'amour qui t'en a dans le cœur Idriss, le devoir de servir l'humanité, dans ce léquerre, en tant qu'un docteur, il n'y a pas d'imagine tout ça là. Et même mon pensée sur ma famille, aujourd'hui, même à l'époque, même si je suis sagrin, je suis tout ça, je suis fier qui Idriss, final, au-delà de toute ma considération, pour lier de ce procès, pour les soins, Dimoun qui t'y pégaye smallpox dans 141 points au canonnier, alors qu'aucun docteur, me dis bien, aucun docteur, pas t'y envie, prend sa poste là-bas, comment, surintendant. Donc, moi espérer sa première série, histoire là, histoire de docteur héros, qui aujourd'hui, moi fin commencer à partir, le docteur Idriss Goumani, moi espérer d'une plaie à jeter, moi peux donner gratuitement, moi. Je peux faire lire avec un plaisir parce que mon envie qui nous content nous pays dans ce moment-là. Et pour nous content nous pays, nous sommes content de dix monde qui peut peupler ce pays-là. Et nous, non, toutes les raisons du monde, dix monde comme Idriss Goumani, dix monde comme Dr. Brandsekor, dix monde comme Onésive Bozor, je peux dire aux autres médecins, il y a tout qui a été dix monde qui peuplent ce pays-là, qui dans l'histoire, donne-nous des raisons pour espérer, donne-nous des raisons pour nous vivre nous-mêmes. Père Laval tient médecin avant Livine prêtre et jamais Livine abandonne ce stéthoscope. Qui fait? Parce que le stéthoscope, c'est aussi le service à l'humanité. Pour commencer, le docteur Jacques-Désiré Laval, il est né en 1803 dans un endroit en Normandie qui s'appelle Crotte. Bon, il tient un frère jumeau. Ce frère jumeau s'appelle Michel et ce frère jumeau fin mort 10 jours après naissance. Docteur Laval tient un garçon intelligent. Malheureusement, son maman mort, l'étant il tient à 7 ans, son maman s'appelle Suzanne. L'étant il a 21 ans, il fait ce bac. Bolomla décide, comment dire,
et support lui pour lui faire son étude de médecine. Sur lequel tu peux battre entre la médecine et la prêtrise, mais finalement, lui choisir la médecine. Lui commence à prendre un médecin et en août 1830, lui vient docteur et lui fait sa thèse, le rhumatisme avec l'arthrite. Très brillant. Il commence ce petit cabinet, travaille dans ce petit cabinet, et là, il fait face à beaucoup de difficultés, qui fait, pas parce qu'il y a un mauvais docteur, mais les victimes de l'intelligence, du monde commence à lui faire une sorte qui a été méchanceté, et en même temps, sur le quai, qui pour la prêtrise, il fait médecin pendant 5 ans. Après, il plein autre tout ça là, il dit non, laisse-moi aller vers la vie religieuse, d'autant plus qu'il s'est fait un accident de cheval, qui dit résolu, ça te donne le temps pour réfléchir, pour méditer un peu sur l'avenir, sur le destin, sur ce qu'il peut faire pour l'humanité, et il décide pour y rendre prêt. Donc, il joint séminaire Saint-Sulpice en 1835, et en 1838, il vient prêt. Et là, il y a le travail prêtre dans un petit village en Normandie. Et il fait 3 ans. Et en 1845, il décide pour lui joindre avec la mission des Noirs et pour lui venir à l'île Maurice. Il joint dans la congrégation 5 heures de Marie. Il prend bateau parce que ça à l'époque là appartient à avion. Il faudrait tout le temps nous mettre tout dans le contexte. Il prend bateau en juin 1841 et il rentre Maurice le 13 septembre 1841. Et là, le 13 septembre, et il n'est pas capable de descendre, qui fait parce que le 13 septembre tombe un lundi et lundi 11 dernier, personne ne peut travailler dans les ports. Et faut-il rappeler qu'il fait nous gagne lundi 11 dernier. Il bon nous retourne dans l'histoire, nous gagne lundi 11 dernier parce que ban esclave tu finis libéré complètement un dimanche Pâques, et sur le lendemain, lundi, tout ban esclave libéré, c'est-à-dire ban apprenti, je tourne galoper, inal kout ban cordonnier, inal acheter souliers, parce que souliers, c'était un symbole de liberté. Donc, nous retournons avec le Père Laval, il rentre Maurice le 13 septembre, et ce n'est que le 14 septembre 1841, qui débarque depuis dans le bateau. Le temps, il débarque depuis dans le bateau. Le vicaire apostolique de l'époque, qui voyage ensemble avec lui, le vicaire apostolique, c'est Monseigneur Collier, affecté lui dans l'église Saint-Louis, qui trouve dans pour lui, pas de une cathédrale, hein, attend 1848 pour qu'il l'église ait une cathédrale. Donc là, dans l'église Saint-Louis, de suite, il commence à mettre lui au travail et il a bel travail pour faire. Tout sa bande apprenti là, sa bande esclave libérée là, qui abandonnés, livrés à eux-mêmes, et je tout finitôme dans la boisson. Et c'est le cas de dire, parce que peine à main-d'œuvre, l'usine qui produit du sucre, je ne commence à produire beaucoup l'arak, pour le cas couvert frais, et là, il y en a environ dans le pays, environ 120 alambics qui peuvent produire à l'année 6 millions de litres d'alcool. Qui se peut vendre avec sa bande pauvre diable là. Et Patipouka continue comme ça, l'île Maurice est au bord d'une révolution. Et le Père Laval commence à descendre le terrain dans la vallée des prêtres, qui fait appel ça vallée des prêtres, parce que ça à l'époque là, c'est une grande concession pour bande prêtre. Et grande concession veut dire un grand bout de la terre qui bande fin de bande prêtre. Et là, ou bien tout mon esclave libre, là, tu rentres dans un petit lacasse, tout, tout, et le Père Laval allait à cuire manger, donne zot, etc., et commence à enseigner l'évangile. Tigin, 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 ben là commence à comprendre, ben là commence à gagner dignité, le Père Laval, quand il cause aux autres, ben là gagne socle, hein, il aborde dans le sens de monsieur, madame, avec beaucoup de respect, et il prend la peine d'y apprendre la langue créole, il prend la peine d'y apprendre la langue créole pour pouvoir communiquer avec eux. Alors, qui à l'époque la criminalité tient à la hausse, dit mon petit beaucoup mauvaise qualité. En 1854,
Un prêtre irlandais qui appelle O'Dwyer, lui écrit, lui dit comme ça, que l'alcoolisme, qui est un fléau sans précédent dans Maurice, à l'époque, l'alcoolisme finit complètement. C'est le cours en telme, qui lui-même est un grand avocat qui travaille à la cour, il n'est pas content quand le père Laval est venu au départ, là, il dit comme ça, criminalité, il baissait complètement. Le père Laval il fait un travail extraordinaire, pas juste pour guérir le pays dans sa époque-là, de sa l'épidémie d'alcoolisme qui peut dérouler là, mais aussi pendant cette période qu'il finit Maurice, entre 1841 et 1864, il y a beaucoup d'épidémies, comme on disait hier, il y a la choléra, il y a la vérette, il y a la maloya, il y a tout ça bande complète là. Alors, en 1854, une belle épidémie de choléra déroulée. Dans l'espace de 3 mois, 8000 morts, juste dans la capitale, 3700 morts, juste dans la capitale, je peux dire où là. Hein? Et le pays Laval, il est parmi les premiers pour diagnostiquer sa maladie-là, qui sa même choléra ça. Et il donne un bel coup de main. Il fait un hôpital de fortune, il soigne des gens, en même temps, il donne ce dernier sacrement pour ban qui peut mort, en même temps il peut soigner ban qui capable saper. Sout il roulait même bon ben extraordinaire ça, il tient une belle expérience parce que déjà quand il fait vin docteur dans Paris en 1832, il tient la choléra et il tient travail dans sa ban ca choléra là. En 1856, choléra réclaté encore une fois environ 8000 morts. Père Laval encore une fois sollicité, travail, mettre l'hôpital en place, etc. Non seulement ça, mais Père Laval, il encourage un tifi à l'époque, un tifi qui s'appelle Caroline Lanferna de Larel. Tifi là fait la congrégation qui appelle Bon et Perpétuel Secours. Et lui-même, ça tifi là, qui n'a rang ban Lazaret qui t'appelle ça dans l'époque, ma dit ban grand l'hospice pour soigner ban djimoun malade, li commence faire un Lazaret côte la route Nicolé par là, premier l'hospice qui accueillir ban lépreux. Sinon ban lépreux tu peux traîner la rue, ça personne pas tu peux prendre compte. Tu peux traîner la rue et li accueillir environ 300 lépreux, ça madame là, mère Marie Augustine, fallait pas oublier d'ailleurs. Il y a mon père récemment qui dit qu'il besoin instruire une procédure pour qu'il proclame lui quand même bienheureuse. Donc, roulez même, nous trouvons comment le père Laval donne coup de main pour choléra, donne coup de main pour la vérette, donne coup de main pour tout ban l'épidémie qui peut gagner dans sa l'époque là. Lola lié d'une madame, mon fait dire où là? Première congrégation mauricienne, Caroline Lanferna de Larel, Bon et Perpétuel Secours, il rend ban l'hospice partout, hein. Pas juste ça l'hospice qui m'a fait dire ou là, lépreux, mais partout dans Maurice, tiens un bel village aussi, parce que malade tiens beaucoup, beaucoup. Et m'a fait dire ou 10 000 mots là, là, ça c'est qui connaît, et n'a mort, comme m'a dit, fouillé, n'est en place, et la plupart, ben, j'ai une misère même qui peut mourir ça, hein. Père Laval, non seulement il guérit du monde, de ban mal physique, mais il guérit du monde de ban mal moral, évidemment, mais il guérit du monde de ban mal physique aussi. Il tient un bon camarade, appelé Thiessé. Un jour, Thiessé dit à lui comme ça, ici tient mon père, hein, Thiessé dit à lui, mon gène gros bouton, là, un gros furon, là, pas capable de soigner. Père Laval dit comme ça, pas casse-toi la tête, toi, get ça. Moi, pour soigner ton furon, correct ça, 10 mètres pour moi. C'est vraiment pas bizarre l'opérer, c'est pas que ça fait. Non, pas bizarre l'opérer. Pas qu'un tracas, toi, correct ça. Demain, moi qui pour prendre sa furon, là. Toi, t'es pour correct, toi. Moi, pas connais, je sais pas, histoire ou soit non. Mais le lendemain, furon du père Thiessé, il passait, père Laval qui gagne un gros bouton sur la zame. Pour vous dire, hein, physiquement, il prend la peine les œufs. Dans les années 1860, Père Laval commence dans différentes mauvaises qualités, sa quantité de travail là. Et moi, je dis, ouais, nous avons fait. Son travail commence depuis 5h du matin. 5h du matin, il est levé, il fait son banorison. 6h, il y allait, il y a visite du monde dans la prison.
Là, il fait ce petit la messe. Là, il commence à faire ce man confession. Il commence à écouter Dimoun, commence à écouter problème à gauche, à droite, bouger. Et quand le type est bougé, pas bouge dans le tenant, rien, pas le sébal, pas non, rien. Il bouge l'eau bourrique, l'eau bourrique. Doucement, doucement, il y a allé, le se s'arrête, il y a allé, il y a guette Dimoun dans la prison, grand matin, tantôt. Et arrive dans tantôt, neve à soir, qui dit pas le dormi là, neve à soir. Docteur est prêt, il est fatigué, mauvaise qualité, dans les fatigués là, hein. L'épidémie maloriale déroulée dans les années 60 là. Il s'agrin, pas capable d'un coup de main. Mais c'est mon seul équerre en banna. Seul équerre en banna. Il s'agrin tout banna. Mou pas grappe, mou bédiaou. En 1864, le 8 septembre, la veille du mot, il appelle ce cocher. Ce cocher t'appelle Prosper. Il dit à Prosper comme ça. Tu connais demain, ta petite fille, Caroline Prosper. Ta fille là, tu es handicapée, hein. On m'a dit, tu es paralysé, tu es malade, tu es paralysé. Il dit, demain, tu gagnes deux nouvelles. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Mais mauvaise nouvelle là, Prosper, tu connais qui était ça. Parce que Pierre Laval, Pierre Mot, il finit condamné. Il perd le mot. Mais bonne nouvelle là, Prosper, pas connaît qui était, il n'y a pas perdu tanni. Le lendemain, tends-moi bien là, hein, l'histoire qui dit ça. Hein. Le lendemain, je te connais comment Caroline Prosper allait à l'air le père Laval, le sous-canapé. Il parle de lui, le fauteuil roulant. Hein. Il parle de lui, le badin, non, rien. Il morse, il y a le lui. Dans les participe morse, Caroline Prosper morse, Djibout morse, il y a le père Laval. Jusqu'avant l'imo. Il peut soigner du monde, il peut faire des affaires miraculeuses. Ici, ça. Pour dire où, nous ne sommes pas capables de cause le docteur Laval sans nous cause le prêtre Laval. Tous les deux ensemble. Tous les deux au service de l'humanité. Et Caroline Prosper, pour lui montrer sa gratitude, ici, il rentre religieuse, il rentre ma sœur. Bien souvent, on oublie ma sœur. Nous pensons, mon père. Mais il y a ma sœur aussi qui fait un grand, grand travail. Elle me chutine. Faire un petit remarque comme vidéo, comme tu fais hier, j'ai qu'il y avait un infirmier, nous pas causé, nous causé ce docteur. Malheureusement, dans l'histoire, pas fine, comment dire, archive la contribution des infirmiers. Mais tu as beaucoup de nurses longtemps qui ont fait un travail extraordinaire, qui peut-être, si je gagne le temps, je vais venir là, monsieur là, qui te fera content. Tu as par exemple Florence Nightingale, tu as un petit monde comme ça, un infirmier qui a aidé, qui a dans l'époque la guerre, dans l'époque épidémie, j'en ai beaucoup. Donc voilà, j'espérais que sa deuxième série, l'Oban héros de l'histoire de l'épidémie, qui aujourd'hui nous cause de Père Laval, fin plaît aux autres. Sa bonne série là, j'ai fait ça avec Molekea, parce qu'il nous faisait content, nous pays. Au-delà de tout, nous nombris en terre ici. Et pour nous content nous pays, nous bisait content ce bandi moun. Et pour nous content ce bandi moun, nous bisait connait ce bandi moun fait. Nous bisait un rôle modèle avec lequel nous capables prendre référence, desquels nous capables inspirer, nous pas car les autres l'histoire tomber. Donc voilà, je souhaite un bon week-end et demain nous pour continuer sa série là avec le docteur Charles Edouard Brown Secor. Comment ça a commencé? Le 23 mars 1854, eh ben, un bateau sorti Calcutta rentre Maurice avec à son bord 375 travailleurs engagés indiens. 32 jours auparavant, bateau là quitte les ports de Calcutta et pendant la traversée qui finit dure sa 32 jours là, il y a 30 immigrants indiens là-dedans qui finit mort de choléra. Évidemment, l'étant sa bateau sultani là rentre dans les ports, ben là, diaguette ça, pas gain droit rentre là, al dans grande rivière nord-ouest là-bas.
et mettre un drapeau jaune le bateau là pour signifier qui bateau là pas pour capable descendre personne depuis là-dedans là, hein. Alors entre les 23 mars et les 30 mars, bateau là reste dans Grand Rivière et début avril, je avoue bateau là dans l'île Plate et là-bas dans l'île Plate qui arrivait descendre Saban immigrant là, les autres en quarantaine pendant un mois. Mais seulement, le 10 avril 1854, nous gagnons premier cas choléra dans Port-Louis. Comment ça cas choléra là déroulé? Ben, le temps nous pose la question, lui lire un livre comme Creole and Coolies, ou soit Epidemics in Mauritius de Anderson, qui est écrit au 19e siècle. Et qui m'a fait capable de gagner dans Archive.org, et bien dans le livre-là, Anderson dit ou comme ça, qui malgré le fait qu'il bateau là, tu l'os, un petit peu éloigné de la côte de Grande Rivière, et bien, Mauritien tracé, lui, tient à ma naissance entre Ban PCR avec Ban Dimoun qui travaille au bateau, Ban PCR, tu peux donner un poisson, et autres, tu peux donner. Ban di moun la, ban provision, diri, etc. Mais fallait nous connaître qui l'on sa ban bateau là, sa ban provision là. Tu peux voyager ensemble, sa ban di moun là, en l'eau, l'autre, etc. Hein, tu vraiment, vraiment très difficile. Et peut-être qui sa ban provision là, c'est une ban provision qui déjà contaminé en choléra. PCA, il amène sa côte li. Lili nous donne poisson sa côté. L'autre histoire encore, capitaine bateau là, enfin, ban mauvaise langue dire qu'il tient un 35 dans Grande Rivière et qui li fin en freine ban la loi quarantaine, li fin al ran sur 35 visite. Ce qui expliquait en dans l'autre qui fait l'étant sa ban immigrant indien là tilo l'île plate après faire quarantaine, l'épidémie finit éclater le 10 avril ban premier cas choléra infini commence dérouler dans Port-Louis. Full blown épidémie éclatée en mai. Ben là, lève quarantaine, les 4 mai, l'Oli Plat. Ben labourer là, distribué vers autres ben différents bases, ben différents propriétés sucrières, et l'épidémie éclatée. L'épidémie là, prend une ampleur extraordinaire. Juste dans Port-Louis, t'y en a 49 000 dimouns qui peuvent vivre dans Port-Louis. Entre mai avec août, l'épidémie là tue 3500 dimouns. Ça officiel, ça, hein? Il est bien probable qu'il y tue beaucoup plus que ça, parce qu'il y a un paquet dimouns, quand je te mets, l'autre n'a pas prendre la peine pour aller pour le rapporter, etc. Et ben là, estimé qu'il y a entier Maurice, il est bien probable qu'il y en a plus que 12 000 dimouns qui t'y fin mort de choléra en 1854, considérant qu'il dans sa l'époque là, eh bien, nous population, si environ 300 000 dimouns, li beaucoup ça quand on peut gagner 12 000 dimouns pe mort. C'est pour vous dire qui quantité, qui contamination capable de dérouler si nous pas prendre précaution et qui nous pas suivre ban consigne quarantaine. Ceci étant dit, dans Port-Louis, bel déroulement, pape capable même soit un dimoun, Père Laval d'un côté, de l'autre côté, ou gagne ça docteur Kimotin Diaoula, docteur Charles Brown-Sekor. Docteur Charles Brown-Sekor, qui tient grand neurologiste, tient grand physiologiste, le vin docteur en 1846, t'as l'air mot pour revenir nos histoires, mais docteur Brown-Sekor, qui l'in fait aller, le maire, il invite lui dans une la case qui appelle Maison Hugon, il transforme ça la casa comme un hôpital, et il peut donner un bel coup de mêle au choléra. L'IP applique toutes sortes de qualités de traitement. Et il finit même, au risque de sa propre vie, faire l'expérience au lui-même personnel, en prenant un petit peu, inoculant lui-même, avec un tigine vomi, hein, tigine, des bandimoun qui gagne choléra, il inocule lui-même, il fait lui-même gagne choléra, après il teste ban médecine, là, il y a une médecine qui s'appelle laudanum, à base d'opium, etc. Il testait, il guettait, si pas médecine là, paix mort. C'est dernier l'air, comme on dit, il est presque tombé mort, hein. Quand Ban Laem, comme on dit, il disait, remettre lui du bout, et il
reprends-le là, même recommence soin du monde. Docteur Branzeko, il y a environ 50 du monde qui sont atteints de choléra par jour. Les dents, il peut prendre l'argent et du monde qui est dans la casse, il peut prendre ça même la monnaie là, il peut donner du monde qui paye. Il y a un coup de soleil qui grandit sur les qualités. À Saint-Louis, nos histoires, Docteur Branzeko lui-même, quand il était petit, etc. Il fut né en 1817, son papa, qui est un capitaine bateau américain, et son papa, qui est d'origine irlandaise. Pauvre garçon-là, il n'a pas connu son papa, parce que avant lui-même, n'étant papa, il allait dans voyage, papa est mort, il est orphelin de père. Son maman, qui est une mamzelle Sekor, son papa s'appelle Brown, son maman, qui est une mamzelle Sekor, son maman grandit tout seul. Il grandit tout seul, mais il tient une grande intelligence. Et il y a un peu autant qu'il nous soulignait que son maman, qui est d'origine française, Branzeko-là, qui est né Maurice, garçon-là, qui est né Maurice, Charles-Édouard, qui est né Maurice. Mais seulement, grammaire maternelle, son maman, est métisse, liéna, disant malgas, et disant indien, dans son lavène pécoulé. Mais c'est une des bonnes raisons qui fait, en Amérique, quand Dr. Branzeko est allé après Mobino là, qui en Amérique, ben n'a pas fini de nommer l'eau 2-3, cher, comme on appelle ça, en Virginia, me pensais, parce que Zis Blanc, si tu peux gagner ça, l'Iban là, tu finis de connaître l'eau figure marquée, ça papi. Guette-moi, trouvez pas, mon pain suédois, non? L'eau figure marquée, ça. Ben là, tu finis de connaître qu'il y a une métisse, une race mélangée. Bon, passons. Garçon là, un garçon intelligent. Et là, il y a un professeur qui appelle M. Saint-Jerry. M. Saint-Jerry pousse les mauvais qualités, fait lui apprendre. Et Dr. Branzeko, Charles-Édouard, lui-même, à le Collège Royal. Mais autres misères, Dr. Branzeko, finalement, lui trouve à l'âge de 15 ans, puis travaille dans un magasin bien dur. Pour qu'il soit capable de ramasser sa monnaie pour faire une étude supérieure. Arrive l'âge 21 ans, il dit à son maman comme ça, maman, mon envie, elle peut faire mon étude de haut. Maman là, qui est extra content ce garçon, il a une seule papa, pas pour content, et il a un bon petit comme ça. Tous les deux prennent bateau, j'étale Paris. Là-bas, Docteur Branzeko, il commence à étudier un peu les lettres, mais seulement, Bandimoun finit de trouver qu'il y en a un poté l'eau la médecine et je pousse lui dans sa direction. Il étudie la médecine, très très brillant, comment on dit. Malheureusement, pendant ce moment l'étude, ce pauvre maman a trouvé la mort à 54 ans. En 1846, Dr. Branzeko vint docteur en médecine. Sa thèse qui basé l'étude de la moelle épinière. Et il fut inspiré pour étudier ça, parce que dans les passés, quand il était dans Maurice, il a déjà trouvé une blessure, un laboureur, qui a une marie blessure dans ce les deux, un coup de sable, quand il trouve la moelle épinière là. Alors ça a interpellé, il spécialise l'étude de la moelle épinière. De suite, ben, a fini remarqué, un grand docteur. En 1849, il y a une épidémie de choléra dans Paris. Il donne un bel coup de main dans sa épidémie de choléra là. Et, il a l'Amérique, son papa américain, non? Il y a l'Amérique pour y aller travailler un peu. Là-bas, il est marié. Malheureusement, son madame mort. Et là, il retourne la France. Il y a le travail un petit peu l'Angleterre. Après, il retourne Maurice. Il dit, me donne un coup de main. Les Lahem qui en 1854, il donne un coup de main pendant sa l'épidémie choléra là. Hein? Après, il est content de voyager, il gagne la bougeotte et il demande de partout. Les Lahina travaille un petit peu dans l'Angleterre, il remarie encore, deuxième coup. Après, il gagne une troisième madame. Il dit, pas qu'il a trop sens aux bonnes affaires, madame. Li. Mais c'est moi, aux bonnes affaires, l'étude. Ah oui, il était bien, bien beau. Toutes sortes de qualités lunaires, il a gagné. Jusqu'à ce qu'il devienne professeur au Collège de France, s'il vous plaît. Un petit Mauricien, professeur au Collège de France.
membre de l'Académie des sciences en France, chevalier de la Légion d'honneur. Et si moi là pour dire, je ne sais pas quand c'est titre qu'il a gagné là. Mais moi pas pour finir jamais ça, moi pour continuer, moi pour rouler, parce qu'il a gagné beaucoup. Il est reconnu worldwide. Non seulement comme un neurologiste, mais aussi comme un physiologiste, et aussi il est bien intéressé l'eau, bonnes affaires, comment dire, vieillissement. Il fait tout ce qui a été l'expérience, hein? Malheureusement, parfois, tu impliques bonnes animaux aussi, hein? Tu fais l'expérience aux bonnes animaux, pour, comment dire, repousse la vieillesse, pour, comment dire, nous reste jeunes et en bonne santé pendant longtemps. Ce lavis, c'était un lavis rempli. Et aujourd'hui, hein, dans Maurice, quand nous causons prendre ses corps, nous causons Zissa, l'hôpital qui, comment dire, occupe ban Dimoun qui gagne ban problème d'ordre mental. Et tout à fait à son honneur. Mais nous vous connaît aussi que sa docteur-là tient un grand héros. Une personne qui donne grande intelligence dans à l'époque-là. Qui l'itina n'apprend par ses propres efforts. Il travaille, en même temps il apprend, il apprend à Paris par ses propres efforts, qu'il tient orphelin de père et qu'il y amène une belle contribution dans la médecine, dans le monde entier. C'est un des plus grands médecins dans le monde entier. D'ailleurs, si je te fais un peu recherche, je peux trouver qu'il y a même un léseau dans le corps humain qui porte ce nom. Voilà. En 1894, le 1er avril, c'était pas une poisson d'avril, c'était un jour bien triste. Docteur Brancécor mort, et il mort curieusement d'un problème d'AVC, me pensais, dans un organe, le cerveau, qui pendant toute seule la vie, il fin étudié. Ça même dit où parfois, hein, live in mort dans la lampe, ça. C'est un grand dimoun, ça, un grand mauricien, ça. D'ailleurs, à l'époque, moi pensais, en 1928, par là, il y a un buste qui t'y fin mettait, deuxième buste, hein, parce que premier là, t'y fin mettait par Tommy Piteux de la Beaujardière, qui t'y le maire de pour lui, je pensais vers la fin du 19e siècle, il met sa buste là. Après, tu as un cyclone, buste là est tombé. Et l'autre buste, tu fin mettais dans un compagnie. Nous, des dizaines de milliers de personnes pour passer devant sa buste là, mais nous pas connaît que c'est un grand docteur mauricien, ça. Mauricien, s'il vous plaît, né Maurice. Et qu'il t'y donne un grand coup de main dans l'épidémie choléra.